بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شير زامي فرير شير كامراد شير اتوديان بونجور. Ça dépend de la personne, l'heure selon laquelle elle a regardé le tuto. Bien bonsoir, ça dépend. Bon. Comme vous le savez très bien par rapport à moi ici, dans les situations actuelles, tous les établissements sont fermés. L'éducation est complètement au chaos. Les situations se dégénèrent de jour en jour. Alors, je me suis décidé de me lancer dans un travail selon lequel moi-même je commence à m'ennuyer à la maison. Je me suis décidé de faire du travail, plus précisément avec des étudiants selon lequel ils ont l'envie de faire. C'est à cette raison-là que j'ai ouvert cette plateforme Linux Nouveau Intermédiaire. C'est ici que je vais ajouter ou bien chacun d'entre vous peut directement intégrer. Au moment dès que les étudiants qui font l'informatique qui vont directement intégrer du première année, deuxième année jusqu'à troisième année, ça dépend de leur niveau. On va faire des cours, c'est-à-dire tous les tutos selon lesquels j'ai publié dans ma propre chaîne. Vous pouvez voir là-bas le tuto, mais parfois j'utilise des documents selon lesquels vous ne le voyez pas. Et en plus de cela, je peux utiliser d'autres tutos sans pour autant que personne peut le voir directement dans la chaîne YouTube. Du coup, je me suis décidé à aider les étudiants qui se trouvent dans leur maison, qui ne pensent pas que les situations sont compliquées, mais qu'ils pensent directement qu'ils méritent directement travailler un petit peu s'il y en a quelque chose à faire, mais puisque les professeurs même ils ne le trouvent pas, etc. et tout ça, tout le monde se met en confinement. Alors j'ai créé ce qu'on appelle un, si vous voyez très bien là, il y en a beaucoup de cours, de différents cours qu'il n'a pas des élèves. Si vous voyez ici, il n'y a pas des étudiants, il y en a 0000 ici dans les plateformes quoi. Entre temps, j'ai intégré aussi les cours de mon professeur, celui-là je l'aime beaucoup, le Marocain. Et je compte travailler en deux manières différentes, même trois. Premièrement, je balance les cours à l'intérieur de ce plateforme. Ça, c'est le plateforme selon laquelle il va amener les étudiants. Parce que ici même, si vous regardez ici, si je clique là, vous voyez ici que le nouveau, je l'ai pris directement L2 et L3. Parce qu'en ce moment, on peut dire directement la personne qui est en L1, il a déjà fait le premier semestre. Ouais, la personne qui est en L2 a déjà aussi fait le premier semestre, ce qui fait qu'il reste peu à entrer directement en L3 et à celle qui se trouve en L3. Je veux travailler comment? Je veux balancer des cours comme les cours là que vous voyez ici. Par exemple, ce cours va permettre directement aux personnes selon lesquelles les intéressés de regarder directement les cours ici même. Au moment que vous avez regardé votre cours, vous avez révisé tout cela,
je veux balancer directement les exercices à faire. Au moment que j'ai mis les exercices en ligne, tout le monde va faire directement ces exercices pendant un intervalle donné bien précis. Après, au moment que vous avez tout terminé, vous m'envoyez directement vos exercices en faisant directement des captures. Et après, je veux directement faire la correction en faisant en même temps des tutos. Les tutos, je veux le balancer à YouTube, mais aussi je veux les intégrer ici. À YouTube, je peux directement le mettre privé. Comme ça, chaque personne que je les amène ici, là, tout le monde peut directement y bénéficier. C'est ça l'objectif du tuto. Et j'espère directement que cela, ça peut vous aider beaucoup. Depuis les étudiants comoriens aux autres. Et oui, si vous êtes comorien ou bien vous êtes sénégalais ou bien d'autres nationalités, c'est ici la chaîne selon laquelle je veux essayer à aider comme nous, les Africains, on n'a pas assez de l'argent de aider des autres. On doit directement aider aux moyens selon lesquels nous possédons. Et de ma part, c'est l'éducation, c'est l'informatique que je me trouve directement à l'aise. Alors, je tiens à vous remercier et à faire courage directement pour que vous puissiez directement prendre quelque chose pendant cette période si difficile. Parce que chaque jour, on mange, on achète, on fait tout. On se ferme même à la maison pour le confinement là. Mais nous, les étrangers, on consomme beaucoup. Et c'est difficile de consommer sans pour autant remplir l'objectif selon lequel nous sommes venus au Sénégal. Et les Sénégalais aussi, ils en ont besoin pour qu'elles puissent directement s'améliorer. Alors, je vais expliquer comment ça fonctionne. Premièrement, vous voyez ici, je vais cliquer ce numéro que vous voyez là. Ça, c'est le code selon lequel vous pouvez directement accéder. Et comment vous pouvez y accéder? Je vais ouvrir un autre genre moteur de recherche selon lequel je ne me suis pas connecté avec le même adresse email. Chacun d'entre vous a une adresse email forcément. C'est à travers votre adresse email Gmail qu'on va directement travailler. Alors pour cela, vous allez directement taper ici Google Classroom. Google Classroom. Valider un truc comme ça. Vous voyez, il y en a ici Google Classroom. Le Google Classroom s'ouvre. Vous voyez l'adresse, etc. Xiaweni, tout ça. On va cliquer directement ici parce que pour la première fois, vous n'avez pas une adresse en réalité qui était déjà directement là-dedans. C'est-à-dire, vous n'avez pas la page en question. Votre page va être directement être totalement vierge comme ça. Et si vous regardez en haut, vous voyez, il y en a plus. Le plus là, ici, il y en a rejoignez le cours. Rejoignez un cours. Ou bien créer un cours. Si vous voulez, par exemple, créer des cours, vous pouvez directement cliquer ici, de créer. Si vous voulez rejoindre, c'est celle que nous sommes en train de discuter ici, vous cliquez directement là. Et vous prenez le code selon lequel on l'avait ici, là. Cette code-là, vous l'avez collé ici. Dès que vous le mettez là-dedans, vous cliquez seulement entrer. Et ça va s'ouvrir. Au moment que ça va s'ouvrir, ça va vous intégrer au cours selon lequel, en tant que étudiant, vous êtes en tant qu'étudiant ici et vous voyez directement ici la personne en question. Il peut directement voir les cours et tout.
à partir de là, si vous aussi je retourne ici, mais je actualise forcément, je vais voir automatiquement que je vais voir que j'ai un étudiant par exemple qui a intégré le cours. On se trouve ici, si on retourne complètement dans la première page, nous pouvons constater qu'il y en a un élève ici. Comment ça fonctionne au moment que nous sommes là? Là, vous voyez très bien que l'étudiant en question, l'étudiant, il est là. L'étudiant en question, il peut directement cliquer ici pour voir le cours. Bon, son adresse est pour déposer l'autorisation d'accès. Voilà, l'adresse là est suspendue, ce qui ne va pas nous aider directement. Je vais me connecter avec une autre adresse comme ça, il n'y aura pas de soucis. Est-ce que je ne peux pas me souvenir de ça? Si vous voyez les cours ici, vous pouvez même me laisser par exemple un message. Salut. Comment ça va, Jean? Comme ça. Comme ça. La personne selon laquelle s'est connectée et laissé genre un message. Si vous regardez ici chez moi, il y aura forcément le message de la personne en question. Alors, si il y en a des exercices selon lesquels on vous a donné de le faire à la maison et tout ça pendant cette période que vous voulez que nous travaillions ensemble. Cela est faisable aussi, mais à condition que la majorité des étudiants votent aussi que cet exercice vaut la peine directement d'être fait. Du coup, là, on va regarder ou bien tout le monde va y travailler. Et après, chacun d'entre nous va directement envoyer les informations directement qu'il a trouvées. Et là, je vais aussi y participer et donner la solution à ce problème. C'est à partir de là que nous pouvons directement travailler d'une manière totalement dynamique et aider nos prochains, le peu qu'on peut faire. Kwezi wa jema zangu watukufu wa Komori na wa insana msaza ya Komori, tifikiri ni mwe shenini ya Google Classroom wa tinye sedza nzuzuri hale mtu wa ya kisedeo andrata isi mpermete ni fonksionalite ya kupajamba mshinde mtu wali mshinde rikorijeze exercisi ya otru. Et si je tiens que ça, par exemple, que la mère a toujours été au boulot, et en plus de ça, que la solution toujours est portée ensemble, et que la mère est là. Maintenant, il y a un exercice de quartier, exercice, il y a que la mère a participé, que la mère a été par un abandon, et là, on a fait un sinon, on a fait un chavou, car si la mère a toujours là, on a eu un groupe facilement. Ici, Kourouzo, tu dois obligatoirement céder ou en tout cas au cas où une situation difficile, il y a un peu de temps, maman, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de
Kaka lamri na ile ukana mba isikuru za tereza mporta Tiro wa njuzuru ukana mba Mtu asa Mtape di bwana umu Mba abursi yurfanye Shiri galivu wanazoni parapuri halu halu Wantu halu LN kawa wengi Shiri wa separe wantu wa L Separe no wantu wa L2 Separe no wantu wa L3 ça dépend des nouveaux zones à aller le campagne en bas de travail ou et donc si je permets de n'avoir pas jamais pris ou en avoir comme on dit par la plateforme ou je y a si vous fanya as vraiment donc et si forcément bas de wang il y a forcément pas la barre sur échanger beaucoup et je te j'ai permis de quand j'en bas de wassoumo par exemple une versate achinda communiquer na wassoumo ou ipd wassoumo ou ipd à te communiquer na wassoumo ou ici ainsi de suite Are na idomeni ya informatik wabo kakila mtu ino kakwa jamba interese ya asiji ajute we mwenye wabo zidongo kasi nziro halo nito balance na zikuru la mtu atoso na direkto maha yeju wabo maa salamu wantu mlo hali uku wabo kumumwa ya na baraka wantu Uyo kwa kwa jamba hanyo oda asubuhi wabu asubuhi njema heri na baraka wabu. Ni halo shukuri ya kwezi.